Un géant du streaming demande à tous ses utilisateurs de changer immédiatement leur mot de passe. L'utilisateur de Twitter Jeremy M. Gosney a posté une capture d'écran d'un email qu'il a reçu de Plex, un service américain de streaming. Nous avons découvert une activité suspecte sur l'une de nos bases de données. Nous avons immédiatement lancé une enquête, et il semble qu'un tiers ait pu accéder à un sous-ensemble limité de données comprenant des courriels, des noms d'utilisateurs et des mots de passe cryptés. Suite à l'incident, Plex invite tous ses utilisateurs à réinitialiser leurs mots de passe, même si tous les mots de passe des comptes qui auraient pu être accessibles étaient hachés et sécurisés conformément aux meilleures pratiques. Plex a déclaré que la société ne stockait aucune carte de crédit ou autre donnée de paiement sur ses serveurs, ces données n'ont donc pas été affectées par l'incident. L'entreprise n'a pas révélé publiquement l'existence d'une brèche, il n'y a aucune information sur l'incident sur son site web et ses comptes de réseaux sociaux. Après avoir reçu ces courriels troublants, de nombreux utilisateurs de Plex ont essayé de changer leur mot de passe, mais ont appris que ça ne pouvait pas être fait. Le formulaire de changement de mot de passe ne fonctionnait pas comme prévu, affichant aux utilisateurs une icône tournante et un message « Internal Server Error ». Certains utilisateurs ont signalé que tous leurs médias ont disparu après avoir réussi à changer leur mot de passe, quand, par chance, le formulaire a fonctionné pour eux.